Maxime et François, on s'est vu au mois de juillet et on se retrouve au SPACE. Alors félicitations pour ce beau concours. Vous avez fait pas mal de prix. Alors dis-moi un peu, Maxime, ce que vous avez fait. Bonjour, oui, merci. On a fait pas mal de prix. Donc on a fait premier en bourrette avec Otella. On a fait deuxième en doublonne avec Nonette. Après, on a fait premier avec Nougat en doublon, premier avec Lingot en taureau âgé et le championnat jeune mâle avec Nougat. Bah c'est plutôt pas mal, hein. Vous avez bien fait de faire le déplacement depuis la Seine-Maritime quand même. Et t'en as pensé quoi du concours? Le niveau était assez bon? Ouais, le niveau était assez bon. On avait quand même la moitié des animaux qui venaient du berceau, un quart de la Normandie puis un quart de l'Est, avec un tout petit peu de l'Ouest. Donc on avait quand même un niveau quand même relevé, les animaux étaient bons, étaient prêts. Donc, ça fait quoi de se mettre face à des animaux du berceau quand même quand on est de Seine-Maritime? Ah bah ça fait plaisir de pouvoir les talonner un peu et puis voir leur passer devant. Et alors, quelle retombée potentielle pour l'élevage après ce concours? Bah après ça, on risque de pouvoir valoriser ce taureau comme Nougat qui risque d'être à vendre dans les prochaines semaines ou peut-être années. On va voir ce qu'on va en faire. Mais bon, tout du moins, avec ça, ça va quand même le valoriser un peu, ses produits et puis l'élevage en entier. Super. Vous allez fêter ça, je présume? Bah oui, on va essayer. Bah félicitations. Je sais pas si on va rester raisonnable, mais on va le faire. Félicitations.